Tu es propre, mon vieux. Allez, c'est bon. Bah ! Salut, fréon ! T'as fini ? Presque, papa. Y'a pas moyen de bosser en paix, ici ? Fais attention à ne pas réveiller la vieille dame. Il faut récupérer ses amulettes avant la fin de sa sieste. Il reste encore des amulettes à récupérer, les gars. Alors... ton frère, tu veux ? Assure-toi qu'il n'engloutisse pas tout. Pourquoi tu marches comme ça ? Parce qu'avec ses pattes, je mange. C'est ça, continue. Tu vas entendre, papa. Il y a un truc qu'il supporte pas, c'est qu'on se comporte comme des humains. Je sais, je sais. Bon, très bien. Viens. Je sais où trouver tout un tas d'amulettes. Et je te montrerai quelques trucs en chemin. Oups! Ces planches ne me disent rien qui vaille. Sois prudent, Rémi. On dirait qu'il va falloir que tu construises ton propre pont. Essaie de toucher cette autre planche. Ugh!
Pourquoi tu voulais venir ici déjà? Eh bien, j'ai besoin de ton aide. D'accord, faut faire quoi? Récupérer ça. Un livre de recettes écrit par Auguste Gusto, mon chef préféré, et rempli de toutes sortes de plats délicieux. Ça alors? Je savais même pas que tu savais lire. Viens, allons le récupérer et je t'expliquerai tout après. Ainsi que Rémi quitta la vie simple de la campagne pour venir à Paris, où la vie est, comment dire, beaucoup plus compliquée. Mais vous n'êtes pas réel. Oh, pourquoi est-ce que je parle à l'image d'un bouquin? Excuse-moi, je me présente. Auguste Gusto. Je sais qui vous êtes, mais... Silence! Et ouvre grand tes mirettes. Alors, mon gaillard, tu reconnais cet endroit? Je suis pas trop sûr, mais... Oui, continue. C'est la porte arrière de chez Gusto, non? Le plus célèbre restaurant de tout Paris, de la France entière! C'est bien ça! C'est vous qui m'avez conduit ici? Pourquoi? Vous n'êtes pas simplement le fruit de mon imagination? Si, je suis le fruit de ton imagination.
Mais l'inspiration vient à tous, et surtout aux grands chefs. À cause des critiques gastronomiques, mon restaurant est passé de 5 à 4 étoiles. Et je crois que toi, mon petit gars, tu peux m'aider à récupérer cette étoile. Réhabiliter le restaurant? Je crois que je peux m'en charger. Si tu n'as pas encore commencé une mission, la boussole t'indique où trouver une balise de mission. Quand tu souhaites en commencer une, tu dois d'abord passer par la balise de mission. Ne te fais pas distancer! Oh misère, tu as perdu la course! Allez, on recommence! Génial! Récupère suffisamment d'amulettes et tu pourras accéder à une mission verrouillée. Récupère suffisamment d'amulettes et tu pourras accéder à une mission verrouillée. On commence. À vue de nez, c'est la cachette idéale pour un petit rat comme toi. Je sais que tu trouves un moyen de verser les ingrédients dans la marmite. Qui sait? Tu pourras peut-être le goûter, ni vu ni connu. Ta, c'est un bon plan. Skinner va me tuer. Une fois que tu as été repéré, la boussole t'indique l'emplacement de l'abri le plus proche. Tant pis. Génial! Je sais que tu as faim, petit gars, mais peux-tu aider ce chef à faire un potage? Qui sait? Tu pourras peut-être le goûter, ni vu ni connu. Ta, c'est un bon plan. Skinner va me tuer! Et qui l'a mis en marche? Et même pas faire bouillir de l'eau. Skinner va me tuer. Et qui l'a mis en marche? Si tu fais sonner le minuteur.
en cuisine, les possibilités sont infinies. Ah, voyons voir. Sombre, puant, humide. L'endroit rêvé pour une colonie de rats. Dépêche-toi, Rémi. On croyait plus jamais te revoir. Oh, c'est super. T'es de retour. Quand papa va savoir ça. Rémi, sacré bon sang, tu es vivant. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, papa. Mais qu'est-ce que tu fais là? Si nous sommes là, c'est à cause du plan que tu as échafaudé à la maison. C'est pas une partie de plaisir de déplacer tout un village, tu sais. Désolé, papa. Mais maintenant, je suis là et je vais vous aider. Bon, d'accord. Suis-moi, on va se mettre au travail. Oh, quelle eau dégoûtante! Oh, je suis où, là? Tu as peut-être remarqué cet objet. La... Vas-y. Si tu n'as pas encore commencé une mission, la boussole t'indique où trouver une balise de mission. Quand tu souhaites cet objet. Oh là là! Tu as commencé une mission! Regarde, la boussole te dit où aller pour remplir un objectif. Tu dois éloigner le chien de la cour. Récupère suffisamment d'amulettes et tu pourras accéder à une mission verrouillée. Tu as besoin de safran. Tu peux en trouver au marché. Tu es prêt, mon gaillard? Vous avez dit... des chiens? Ces chiens ont l'air rapides et agiles, mon gaillard. Mieux vaut ne pas se faire prendre. Des chiens. Voilà des animaux qui savent protéger leur territoire. Trouve quelque chose pour effrayer le chien, vite! Génial! Manger, manger, c'est si bon de manger!
dois récupérer les ampoules protégées par les papillons de nuit. Tu devrais essayer de les éloigner. Les papillons ne font pas le poids contre un rat comme moi. Il y a sûrement quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière. N'oublie pas, tu dois trouver 3 ampoules pour la colonie. Il y a sûrement quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière. Souviens-toi, petit gars, la colonie, il compte sur toi. N'oublie pas, tu dois trouver 3 ampoules pour la colonie. Ramasse cet objet et saute pour glisser. Eh bien, mon gaillard, on a la mémoire qui flanche. Ramasse cet objet, puis saute pour glisser. Il y a sûrement quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière. Manger, manger, c'est si bon de manger. Bien joué, la souille! Maintenant, tu peux retourner à l'égout pour voir ce qu'on a fait des ampoules. Oh, regarde! Dégoûtant! Grâce aux ampoules, l'égout est devenu la ville lumière! Tu as peut-être remarqué cet objet. Ah, le voilà. Il s'agit d'une boussole qui t'indique les objets importants de ton environnement.
pingouin. Pauvre Linguini. Apparemment, les autres chefs l'ont laissé se débrouiller tout seul. Mais le malheur d'un chef peut faire le bonheur d'un autre. Tu dois l'aider, mon gaillard. Tu es prêt? Absolument. Tant que tout ne sera pas remis en ordre, Linguini ne pourra jamais préparer à manger. Je m'en occupe, maestro. Dépêche-toi, Rémi! Prends le contrôle de la cuisine! J'y cours! Il y a quatre marmites qui débordent! Vite, éteins le feu! D'accord, j'y vais! Il y a quatre marmites qui débordent! Vite, éteins le feu! C'est jamais facile, hein? On dirait que Linguini a besoin d'un cajot de légumes. Trouve un moyen de le lui apporter. Ce type serait perdu sans moi. Oh, Rémi! Linguini a besoin de ses légumes, et l'heure tourne!
Tant pis. On dirait que Linguini a besoin d'un cajot de légumes. Trouve un moyen de le lui apporter. Ce type serait perdu sans moi. Oh Rémi, Linguini a besoin de ses légumes et l'heure tourne. Très bien Rémi, tu devrais pouvoir faire exploser l'étagère pour faire tomber la boîte de conserve. Mais de rien. Je suis prêt. Super chouette. T'es le meilleur cuistot de la ville. On fait une sacrée équipe. Avec toi sous ma toque, tout est possible. Super chouette. T'es le meilleur cuistot de la ville. On fait une sacrée équipe. Avec toi sous ma toque, tout est possible. Super chouette. T'es le meilleur cuistot de la ville. Merci, petit chef. J'y serais pas arrivé sans toi. Ne te fais pas repérer, ou pire, attraper. On fait une sacrée équipe. T'en sors pas mal, petit chef. Mais on peut faire mieux. Avec toi sous ma toque, tout est possible. Super chouette. T'es le meilleur cuistot de la ville. On fait une sacrée équipe. Avec toi sous ma toque, tout est possible. On sort pas mal, petit chef. Mais on peut faire mieux. Avec toi sous ma toque, tout est possible. Super chouette. T'es le meilleur cuistot de la ville. On fait une sacrée équipe. Je suis prêt. Avec toi sous ma toque, tout est possible. Super chouette. T'es le meilleur cuistot de la ville. On fait une sacrée équipe. Avec toi sous ma toque. Allez, il faut se dépêcher. Super chouette. T'es le meilleur cuistot de la ville. On fait une sacrée équipe.
Augusto aurait été fier. Pif, paf, terminé. Et si tu allumais la cireuse pour attirer l'attention de Skinner, on dirait qu'il manque un fusible. Bien, nous y voilà. Allez, au travail. Ce loustique-là est un sacré bourbe. Sois prudent. Vite, Rémi, sors avant que Skinner ne te voie. Bonne idée. Génial. Dépêche-toi et ferme la porte. Jamais un instant de répit ici, hein? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? J'adore la bonne cuisine. Tu as devant toi le marché. C'est là que naissent tous les grands plats. Méfie-toi des humains. Si on te remarque ou qu'on t'attrape, c'est fini pour toi, mon gaillard. Ici se trouvent les marchands de poissons et de légumes, la boulangerie pour le pain et le boucher. Et tu sais ce que c'est, hein? Le boucher pour la viande. Alors, prêt à chercher de la nourriture? C'est une question piège. Je suis toujours partant pour un bon repas. Mon gaillard, ceci est un vrai marché parisien. Tu as besoin de safran. Amuse-toi. C'est parti. Au marché. Tu es prêt, mon gaillard? Du safran? Très bien, on y va. Mon gaillard, ceci est un vrai marché parisien. Tu as besoin de safran. Et surtout, amuse-toi. C'est parti. Trouver au marché. Tu es prêt, mon gaillard? Du safran? Très bien, on y va.
y est, ça me revient. Quelque part dans les parages, il y a un parapluie qui te servira à glisser.
Guy, t'as besoin de... Bon, fiston, on va tous t'aider à préparer ce dîner. Voyons ce que disait. Les autres humains sont partis. Il faut que tu ailles là-bas et que tu aides tes amis à finir le repas. Fais alors on travaille. Pour l'instinct. Il ne faudra pas jamais trahir jusqu'ici. Cette merveilleuse source de mangeaille. Bien, c'est là que vit ma famille. Et c'est tout ce qui compte. Trouve les ingrédients qu'il te faut pour le potage. Génial! Kit lutte avec un homard près du fourneau. Oh oh, quel spectacle! Génial! Génial! Oh oh! On a besoin d'eux pour se souffler. Rapporte des œufs à Git. Dépêche-toi. Attention, ces œufs sont fragiles. Bien. Git a besoin que tu l'aides avec les œufs. Dépêche-toi. On a besoin d'eux pour se souffler. Bien. Git a besoin que tu l'aides avec les œufs. Dépêche-toi. Porte des œufs à Git. Dépêche-toi. Attention, ces œufs sont fragiles. Dis-lui quand préparer la salade. Prends ça. Vite, termine la commande et fais sonner la cloche. Ah!
sale rongeur pestiféré. Être cuistot, c'est pas de la tarte. Être cuistot, c'est pas de la tarte. Être cuistot, c'est pas de la tarte. Oh.
Linguini, trouve quelque chose pour le piéger. C'est toi qui vas y passer, vermine. On dirait bien que c'est la fin des haricots pour le restaurant. Et donc, maintenant que chez Gusto est fermé, l'esprit du restaurant, l'âme de la grande cuisine, vous la trouverez à la Ratatouille. Parce que Linguini et moi comprenons quelque chose que Skinner ne comprendra jamais. Et c'est une chose que Gusto a prêchée toute sa vie. Tout le monde peut cuisiner. Mais il faut de l'audace pour devenir un grand chef. J'ai réussi !